Léo, c'est Dog, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Mass Effect, de Silent Hill Homecoming. Alors, je m'étais arrêté après que rien du tout. En fait, je me suis arrêté pendant mon excursion dans les égouts. On va essayer de faire la vidéo jusqu'à ce qu'il sorte de ces putains de égouts. Parce que... ça sympa un peu d'avancer, je pense. Bon, je veux pas raconter ma vie, mais je veux raconter ma vie quand même. Je suis en train de rôter intérieurement dans ma gorge. Bref, je sais pas où je joue. Je sais pas du tout où je vais. Je vais regarder la carte. Regardez la carte. Elle est où la carte? Où est cette putain de carte? Ah, voilà. La carte. Comment on fait pour zoomer? Putain. Putain. Ah. C'est quoi ce zoom de merde? Ah d'accord. Ah le jeu part en couille, c'est pour ça. Bon. Désolé, le jeu a bugué. On est reparti. Bon, qu'est-ce que oui, je voulais dire, que je voulais pas raconter ma vie, mais que je voulais la raconter quand même. Alors, il se passe un truc qui fait un peu chier. Enfin, il se passe pas un truc qui fait un peu chier. Enfin, si ça fait chier pour moi en tout cas. C'est... j'ai acheté un casque, un nouveau casque, parce que ce fils de pute de petit casque de merde, comment dire, bah il... je sais pas comment expliquer ça, mais... le son, pour que j'enregistre le son de ma voix, je dois entendre ma voix, et ça c'est pas possible. Déjà parce que ça fait écho et j'ai l'impression qu'il y a un connard qui parle... qui parle en même temps que moi. Et ça, ça fait chier. Et puis, parce que j'aime pas entendre ma voix de merde. Alors... c'est chiant. C'est doublement chiant. Alors, je suis obligé de... mais le problème, c'est que j'ai un autre casque. Et l'autre casque, il capture ma voix, sans que j'aie à l'entendre. Alléluia. Mais je n'entends plus le son qui sort de mon ordi. Je ne l'entends plus. Parce que pour des raisons X et Y et que sais-je encore, toutes les lettres de l'alphabet, ça fait que je me retrouve avec deux casques sur la gueule. Alors j'en ai un qui... j'en ai un pour le son, un pour enregistrer ma voix, et j'en ai un autre pour écouter le son du jeu. Voilà. Et voilà, c'est tout. Oh my god. Il y a un truc qui va pas. Je viens de dire oh my god comme une espèce de grosse starlouse d'ailleurs. Oh my god. Affichage. Putain, la luminosité est au maximum. Alors, attends. Ah, c'est bien ce que je dis, la luminosité est au maximum. Ah non, je suis con. Ah non, non, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Je suis un imbécile. Non. Voilà. C'est moi, je suis un crétin. Voilà. Tellement longtemps que j'ai pas joué à cette espèce de daube. Il va vraiment falloir que je le termine. Hein. Je sais même pas si je pourrais y jouer la semaine. On est le week-end, je me permets, mais la semaine, je joue à autre chose. C'est simplement.
J'ai déjà dit que je jouais à Far Cry 3. Enfin bref. Sympa le jeu Far Cry 3. On a une espèce de... Par contre je sais pas si le son de mon micro va pas trop partir en couille parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'il est très près de ma bouche. Je vais le reculer. Alex, there's another gate here I can open. Go back the way we came in and I'll let you through. Ah ça c'est... Oh putain. Voilà. Eux, il y en a une tonne. Il faudra... C'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à... Oh putain, en plus ils peuvent monter les fils de pute. Qu'est-ce que je voulais dire? Oh là là, putain d'enculé de sa mère. Par contre, ils pourront pas passer par là. D'ailleurs, je me demande pourquoi je suis passé par là. Est-ce que c'est par là qu'il faut que je passe? Vous pouvez pas descendre, bande de cons. Bande de débiles. Non mais voilà pourquoi le jeu m'a dégoûté quoi. Je veux dire, là c'était la goutte d'eau quoi. Genre le jeu est hyper dur. Le jeu... C'est quoi? Ah ouais. Putain mais ça me sert à rien la carte. Bon. Je crois que c'est au tout début de toute façon. Enfin, je suis pas sûr. Je pense. Le jeu, enfin ouais, j'ai trouvé le jeu vraiment chiant et puis dans une... Quand on était à l'hôtel, je me suis dit putain, oh là là, c'est galère de ces bestioles là. Les bestioles avec les... qu'on vient de voir là. Bon ça je peux pas prendre. Je suis trop blindé. Non mais c'est du n'importe quoi, j'ai à peine 2-3. Ah, il y a le... Il y a la musique qui fait un peu peur. Je viens de prendre 2-3... J'ai que dalle, j'ai pas beaucoup de munitions quoi. Et malgré ça, je suis blindé au bout de... Je vais vérifier. Attends, elles sont où mes armes? Voilà, j'ai que 4 munitions. Et les méchants, faut les... Faut leur en mettre... Faut leur en mettre, hein. Alors en général, je sais pas pourquoi les gens adorent que le jeu soit super dur. Ou ils adorent avoir une liberté de ouf. Une liberté qui ne veut absolument rien dire puisque t'es tellement libre que tu sais plus du tout quoi faire et que tu dis à quoi ça sert que je joue. Oh merde, merde, merde. Deuxième. Tu vois, il m'a fait perdre beaucoup d'énergie. Et d'énergie, j'en ai besoin. Je sais pas. Parce qu'à plusieurs reprises, Enfin, deux. J'ai avancé dans le jeu et je. Ah, je crois que je suis arrivé. Bon, bah, je suis arrivé. J'ai avancé dans le jeu et. Et la première fois que j'ai joué, j'étais coincé parce que je n'avais pas. Parce que je n'avais pas assez de munitions et je n'avais pas assez de vie tout simplement. Voilà. Alors je sais pas comment buter ces mecs là sans qu'ils me fassent très très mal. Et comme ce connard se déplace à 2 à l'heure. Putain, l'esquive, l'esther, rien. Allez! 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 Mais tue-le! Quoi? Mais putain, il est où? Il est où? Oh, putain! Voilà, il me fait perdre toute mon énergie, ça sert à quoi? Soit je perds d'énergie, soit je perds des munitions. Je me fais chier, putain! Mais vous pouvez pas avancer dans le... Bref, il y en a plein comme ça. Il y en a une tonne. Putain.
Putain, j'ai que 8 trucs de santé, je vais faire quoi avec ça? Je me fous la haine. Je me fous méchamment la haine. Putain, quand je vais avancer dans le jeu, j'aurai pas assez de munitions pour buter les méchants. Ou alors pas assez de vie. Je suis une merde, bordel. J'ai jamais dit que j'étais un professionnel. Casse les couilles, les mecs. Allez, esquive. Oh putain. Génial. Bon, allez. On se régénère. Ah, esquive, putain, mais esquive! Allez! 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 Putain! Ah, oh, putain! Vas-y, casse-toi de là, casse-toi, casse-toi! Mais où il va se péter? Ah, il faut que je le bute, sinon il va me faire chier, de toute façon. Allez! Ah, oh, l'enculé de sa race! Vas-y, bouge de là, abruti, va! Putain! Allez, esquive, connard! Ah! Ah, mais tu vas crever! Putain, mais où est-ce qu'il va? Mais où est-ce qu'il va, ce con? Ah, mais c'est quoi ce jeu de merde? C'est pas l'esprit, ça monte, aïe! Pas l'esprit, ça monte, aïe! Oh, t'en fais chier sur un ennemi, quoi. Ah, il veut faire... Il veut faire mal à ma copine. Je veux dire, la copine du héros. Je suis désolé, moi, je sais pas. Je me suis pas autant... J'ai pas autant galéré sur PlayStation 2. En règle générale, les anciens jeux sont censés être plus durs, mais là, je peux garantir que les jeux sur PlayStation 2, les Silent Hill sur PlayStation 2, étaient pas aussi durs que ça. Et moi, j'ai pas envie... J'en ai rien à foutre qu'un jeu soit dur. Enfin, j'en ai rien à foutre que son plat soit dur. Je me fais chier comme un ramor. Voilà, j'espère que... Je sais pas si le micro est bien là où il faut, je sais pas. Vu que j'ai deux casques et que... Bon bref. Moi, ça me fait péter un câble, toute cette difficulté à me prendre la tête. Non, parce que là, je sais pas si je vais réussir à avancer jusqu'au bout. Je vais me battre contre un boss et puis le boss... Quoi que je dis ça, mais bon, j'avoue, je connais pas assez bien le jeu pour affirmer quoi que ce soit. Quelques temps plus tard, c'est clair que je vais changer de discours, hein. C'est tout le temps ça. Je connais pas, de toute façon, qu'on connaît pas, on ouvre notre gueule pour rien. Et là, j'avoue que le jeu, je le connais pas assez bien, même si je l'ai fini au moins. Bon. Elle est où la fille? Elle est où la fille? Elle s'est fait tuer là? Bon, on va descendre. Deuxième. Putain. Il est où? Ah, avec ces conneries, je vais me retrouver avec 4 potions. Le jeu ne fait pas peur, le jeu énerve, c'est tout. Il fout même pas les jetons, il fout la haine. Voilà. Quand la haine remplace la peur, alors là, c'est la mort assurée. Oh putain, et ça recommence. Ah, peut-être que je me régénère. Voilà, 6 potions gâchées. Oh, esquive. Esquive. Putain, l'enculé. Mais putain. Allez. Putain, l'enculé. Voilà. Super. Génial. Mais qu'est-ce que c'est, monstre de merde? Mais tu vas crever.
en fait. Oh, super, super. Putain, génial. Allez. J'ai pas le temps. Je peux plus porter. Et ta connerie, je peux plus la porter aussi. Connard, j'ai besoin de munitions. J'ai besoin de munitions. T'as vu ce monstre? T'as vu ce que je dois me taper, putain? Ce jeu me fout la haine. Putain, sérieux, ce jeu me fout vraiment la haine. J'ai la haine. J'ai la haine de tout, la haine. Et toi, t'as pas la haine. Bref. Ça a ouvert la porte, super. On avance. Je sais même pas parce que je sais que... Enfin, je sais. Je ne sais même pas parce que je sais. Je... Frappe, c'est encore en train de partir en couille. Pas grave. C'est la vie, c'est comme ça. Ce qui me fout vraiment des boules... Ah bah tiens, une sauvegarde. Je sais même pas si je dois sauvegarder ici. Parce que j'ai tellement perdu de vie que... J'ai la flemme de regarder les solus. Oh là là. Regarder chaque emplacement de chaque potion. Pff. Bah ouais, j'aurais pas trop le choix de faire ça, mais... J'ai la flemme de bifurquer. En plus, quand j'essaie de bifurquer... Enfin, d'aller... De regarder les... Des trucs sur internet et de revenir sur Silent Hill, bah le jeu il déconne. Et le jeu il finit par, cesser de fonctionner. Oh là là. Je sais pas, bon c'était une promenade de santé, t'avançais dans le jeu, tranquillou. Avec 2-3 monstres qui te faisaient chier. Tu leur tirais 2-3 balles et puis tu passais à autre chose, quoi. Là, t'es obligé de te déchaîner contre un milliard de monstres. Et là, on va en avoir 3 d'un coup, là. 3 d'un coup. Mais en même temps, quoi. Alors là, c'était le coup de grâce, quoi. 3 d'un coup. 3 monstres d'un coup. Non, mais on est en plein délire, quoi. Non, mais je suis en train de rêver, quoi. 3 monstres d'un coup. Déjà, un seul. Ça fait chier. 3 monstres d'un coup. C'est un truc de taré. C'est pas possible, ça ne se peut pas. On arrive enfin à la fin du niveau. La vidéo va pas être super. Enfin, ça dépend si je réussis à me débarrasser des monstres ou pas. Mais vraiment s'en débarrasser pour sortir du niveau. Le truc de dingue. Le truc qui n'a aucun sens. C'est pas ça, si tu te débarrasses de boss ou un truc comme ça. Mais tu te débarrasses pas de monstres comme ça pour sortir trois monstres. On est en plein délire, quoi. 3 monstres. Non, mais... Les mecs, ils ont fumé la calumet de la paix, quoi. La calumet de la violence, ouais. Bande de chiens, là. Je sais pas, les mecs, ils ont rien compris à l'esprit. Ils ont rien à foutre. Et puis, je comprends pas pourquoi c'est pas les Japonais qui ont continué sa lentaille. Ouais, quoi. Pourquoi les Japonais ont pas continué? Pourquoi ils ont donné ça à... Ils aiment bien tout donner aux Occidentaux comme des cons, je sais pas pourquoi. C'est vraiment des... Si vous n'aviez plus d'idées, arrêtez la série au lieu de faire ça, quoi. Non, franchement, ils pensent qu'à la thune, ces gens-là, sérieux, à la consommation thune, on doit toujours en sortir. Ah, pardon. Ils pensent qu'à ça, ils pensent qu'au pognon. Et boum, il va y en avoir 3 de ceux qui vont arriver dessus. Voilà, ils arrivent. 3 d'un coup. Hein. 3 d'un coup. Alors là, je sais pas comment je vais faire. Mais je suis dans la merde. Voilà. Déjà, ça commence bien. Non, mais arrête, j'ai esquivé, putain. J'ai esquivé. Arrête ton délire. Bon, allez. C'est même pas la peine. C'est arme à feu tout de suite. Je peux pas là, je vais mourir. Putain. Non. Je suis mort. Je suis mort, ils esquivent. Je tire dans le vent. Comment faire pour les niquer? Ah bon, ils crevaient.
Je perds toutes mes munitions. Voilà, l'esquive ne sert à rien. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ça sert à rien. Putain. Merde, je suis en train de crever. C'est magnifique. Oui, mais oui, bien sûr. Recharge, connard, recharge. Putain, non, putain, délire là, c'est... Mais putain, qu'est-ce qu'il fout là? Ouais, je tire à côté, bon, ça c'est magnifique. Merde, je sais pas sur quel bouton appuyer. Je n'ai plus d'armes, c'est magique. Voilà, tout ça de munitions pour tous ces fils de pute. 9, 9, 9, non, mais 3, pardon, 3. Non mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, je m'en fous de son sort. Hein. Rien à branler, elle peut gueuler, j'en ai rien à foutre. Franchement, j'en ai rien à foutre, j'en ai chié. Là. J'ai plus de munitions, j'ai plus rien. Oh putain, l'enculé de sa race. Non mais on... Non mais on est... Non mais c'est quoi cette merde? Non mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Putain, je vais me débarrasser de trois enculés? Non mais c'est du n'importe quoi! Bon, ça va. Non mais vraiment... Non, je comprends rien à ce jeu. Ouais, la porte s'ouvre, bah ouais, forcément. Ce serait cru dans je sais pas quoi, dans un jeu Bethem Hall ou je sais pas quoi, oui. Quelle crève, j'en ai rien à prendre. Mon gars, je m'en bats les couilles. Elle est morte, tant mieux, c'est sa vie. Oh mais... C'est du gros délire ce jeu. C'est une grosse blague ce jeu. Je sais pas. Mec, je sais pas ce qu'ils ont cru où ils étaient, je sais pas. En plus, je crois qu'il n'y a pas de niveau de difficulté dans ce jeu. Là, je sais même pas si je vais pouvoir continuer avec tout ce que j'ai utilisé. De la potion à gogo, des munitions à gogo. On verra bien. J'avoue, je jouais un peu comme un con, mais j'étais tellement stressé, ça me faisait tellement chier, quoi. C'est... Je sais pas, si j'ai envie de jouer à un jeu où... Voilà, je joue pas à Silent Hill, quoi. J'ai jamais autant galéré sur un jeu, quoi. Jamais. Enfin, autant galéré sur un Silent Hill, hein. Je précise. Je précise que... Autant galéré sur Silent Hill. Bon, de toute façon, on va bientôt arrêter. Je vais bientôt arrêter, pardon. Faut que j'arrête de dire bon à chaque fois. Je vais bientôt arrêter. Enfin, si je trouve... une sauvegarde. Ah, c'est clair, on n'est pas dans un Mass Effect, hein. Je veux pas... Je veux pas faire une heure de deux heures de. Enfin, des heures et des heures de vidéo. Là, c'est clair que là, ça commence déjà à me casser les couilles. Mais bon, faut bien que je finisse ce que j'ai commencé. C'est très dur chez moi de finir ce que j'ai commencé. Oh là là. C'est tellement dur. J'ai tellement de difficultés à finir ce que j'ai commencé. Mais là, j'avoue que ce jeu, il m'horripile. Il me fout la rage. Jamais autant, j'en ai jamais autant chié dans un seul mental. Wheeler, are you all right? Hey, I've been better, but I'm okay. Did you find Elle? Yeah, but we got separated. I'm looking for her now. Where are you? I'm just now leaving the station to find Fitch. Look, we need to stick together. Meet me at his office. Maybe he knows where Elle is. Okay, I'll meet you there. Putain, God, I hope Elle's okay. Putain, l'image est un peu saccadée. Hein. Alors, Maya House, jusqu'à... Le truc est vraiment saccadé, quoi. J'espère que là, il y a une sauvegarde. J'espère que j'aurai pas à me friter contre des monstres. De toute façon, moi, je les esquive. Hein. Je veux pas me faire chier avec ces conneries. J'en ai marre de ces conneries, franchement.
J'en ai marre de la violence. Ah, j'en ai marre de la violence. Oh putain, non. Bah arrêtez, arrêtez, c'est bon quoi. Lâchez-moi les couilles. Oh putain, l'enculé de sa race. Oh putain. En plus, si je ne sauvegarde pas, je meurs. Je suis attendu jusqu'à la sauvegarde, la dernière sauvegarde. Jeu de taré. Bon, je vais être obligé de me les faire. Voilà, super. J'aurais dû prendre la hache, hein, j'ai été con. Ah merde. Super. J'arrive pas à toucher. Et ce connard bug sur un poteau. Super. Je sais pas du tout ce... Bon bah j'ai perdu. Voilà. Voilà. Jeu d'enculé de sa race. Voilà. Voilà. Ah. Bon. J'ai été mauvaise langue, j'ai cru qu'on recommençait jusqu'à la dernière sauvegarde. Ça c'est uniquement si on éteint le jeu. En espérant que le jeu ne bug pas. Bon, il n'y a pas de raison, mais on sait jamais. Bon. Cette fois-ci c'est bon, on va se débarrasser des chiens, même si je voulais pas m'en débarrasser, mais je ne peux pas esquiver des ennemis parce que ils me font mal, je suis obligé de me les faire. Alex, come in, are you there? Wheeler, are you alright? On va essayer de passer cette truc. Bon, j'adore les cinématiques, mais bon, là, on l'a déjà vu, alors on va la passer. Bon, par contre je vais utiliser la hache pour éviter d'user mes munitions sur ces enculés de chiens de merde. Oh là 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 là. Oh super, 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 super. Bon, je me laisse baiser, hein, j'en ai rien à foutre. Franchement, j'en ai rien à foutre. Voilà. C'est du n'importe quoi. À peine j'ai le temps de faire quoi que ce soit que ces deux fils de pute et essayent de me buter quoi. Je peux rien faire. On est en plein délire. Encore aux yeux de se retaper cette merde. C'est magnifique. Oh merde. Bon, je fais quoi là? Alors attends, je peux pas. Si y en a trop de morts, bah pas le choix, hein, je vais être obligé de couper, c'est certain. On verra. C'est quand vous voulez. Tu crois que je te vois pas enculé? Putain, enculé! Ah ouais! Voilà, j'ai plus de munitions, c'est fini. C'est magique, c'est merveilleux. Je voulais me les faire en économisant mes munitions, mais là j'ai plus rien. Et le pire, c'est qu'il va y en avoir d'autres, hein, des ennemis. Est-ce qu'il y a des potions, des conneries comme ça qui traînent? Je ne sais pas. Et voilà. Encore un chien qui traîne. Ça fait même pas peur, ils sont ridicules, c'est super. Non mais on est en plein délire. On est en plein délire là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non mais qu'est-ce que c'est que ces délires? C'est quoi ce délire? Espèce de monstre à la con là. Ouais, forcément j'ai pris le mauvais chemin. Bon, il va me choper, c'est clair. Bah, tant mieux. Les mecs, ils sont rapides, ils sont puissants, et moi je ne suis qu'une merde.
Et je suis où, moi? Ah, je suis presque arrivé. Super, encore un chien. Non mais... Alors oui, il y avait effectivement des ennemis qui traînaient dans la rue. Excuse-moi. Sir. Hey, you. J'arriverai pas à finir ce putain de jeu. J'arriverai jamais à le finir. What do you want? What have you done? Stay away from me! On arrive à la séquence de la poupée. Hein. Voilà, c'est là où je me suis arrêté. Ce mec-là, c'est un fétichiste des poupées. Je veux me battre contre une poupée, je veux me faire tuer. Là, ici, il y a plein d'infirmières. Voilà, les infirmières. Bref. Ouais, j'ai une potion à 2 balles. Ça va vachement me servir cette connerie. Pourquoi la bouteille est toute tordue? Voilà, pour l'instant ils y sont pas. Quand je vais ressortir, ils y seront, les Norrington. Jeu de merde. Jeu de merde. Silent Hill de merde. Voilà. Silent Hill de merde. Espèce de pourriture. Je sais pas. Le 2, j'en ai jamais autant chié. J'en ai jamais autant chié. Là, c'est vraiment le Silent Hill. Complètement taré. T'as des ennemis, ils te foncent dessus. Je capte pas. D'accord, je veux bien qu'on ait 2-3 munitions, qu'on soit un mec peu expérimenté. Bon, lui, il a fait soi-disant l'armée, j'en ai rien à branler de sa vie. Voilà, je peux comprendre. Mais alors, pourquoi on a des ennemis on a des ennemis montés à bloc, quoi. C'est quoi ce délire? Pourquoi nos ennemis sont montés à bloc? T'as 2-3 munitions, t'as pas beaucoup de potions, mais t'as des ennemis tout puissants. Putain! Putain de merde! J'ai oublié un truc, c'est pas possible. Un truc que j'ai pas fait. Ou alors... la poupée, non? Eh bien... Je dois pas seulement récupérer une photo, si? Bon, je tourne, je regarde, je siette. Dans Silent Hill, on pouvait esquiver... on pouvait éviter la bagarre. On pouvait éviter d'affronter les ennemis. Là, on peut éviter rien du tout. On peut juste se faire enculer, c'est tout. Mais on évite absolument rien. Alors là, c'est bizarre. J'ai dû louper un truc. Forcément. Je suis vraiment pas dedans, quoi. Et c'était, on va dire, c'était faisable. C'était assez faisable, il n'y avait pas trop de soucis. Ou c'est tout simplement moi qui est devenu tout pourri au jeu. Alors, peut-être que je me reteste à Silent Hill 2, pour voir. Ou le 3, ou le 4. Pour voir si c'est vraiment moi qui est devenu tout simplement nul. Je pense pas totalement que ce soit le cas, même si c'est un peu le cas, c'est vrai. Que les jeux sont plus faciles. Peut-être qu'il faut que je regarde la photo. Mais je n'ai pas de photo. Ah non, j'ai pas la photo. Oh cool. Ah par contre, ce con peut pas se déplacer. Il n'y avait pas une clé quelque part?
Oh merde, j'aurais pas trop faire la même chose. C'est bizarre pourquoi ça a pas. Pourquoi ça a pas affiché que je pouvais interagir avec ce truc. Bon, y a le bouton qui. Une étagère remplie de poupées d'enfants. J'ai l'impression qu'elles me regardent comme si elles attendaient quelque chose. Bah oui, elles attendent une poupée, non? C'est pas une poupée bizarre qu'elles attendent? Ah, et puis merde. J'ai plus de munitions, si j'en ai 4, mais ça suffira pas. Si je me les frite à la hache, je vais me faire massacrer parce qu'elles sont un milliard. Et moi que je suis tout seul comme un con avec une hache. Bon. Elles vont passer la porte. Je suis baisé. Et voilà. Bon, ben voilà, je suis mort. Et je sais même pas du tout où je dois aller, je sais même pas du tout ce que je dois faire. Je me souviens plus. Oh là là, il va y en avoir des morts. Je sais même pas si je vais couper ça ou pas. Oh, super! Ça me fait revenir jusqu'à là. Vas-y, vas-y, c'est bon. Magnifique. Magnifique. Je dois aller où déjà? Oh. Alex, Alex, come in, are you there? Wheeler, are you alright? Oh, putain. Bon. Ça m'aurait bien servi pour les filles, ça. Les fumer avec le gun, ça m'aurait bien servi. Mais non, il fallait que je sois poursuivi par ces saloperies de chiens de merde. Alors comment je fais, moi, maintenant? Est-ce que le couteau, c'est pas mieux? Je pense que le couteau, c'est peut-être mieux. Bon, bah, je suis encore mort. Je savais pas sur quel bouton appuyer. Vu que les boutons ne correspondent pas aux couleurs de ma manette. Deux, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, j'arrête la vidéo et je reviens là où. Enfin, je coupe la vidéo, je reviens là où sont les infirmières parce que. On va pas se retaper tout le temps ça. Hein. Alors, on va. Je vais couper puis je reviens au moment où les infirmières. Bon, ben, voilà quoi. Bon, je me suis débarrassé de toutes les infirmières comme un bonhomme. Je leur ai montré qui était le maître. Ouais, effectivement, avec le couteau, c'est beaucoup plus simple. Enfin, c'est esquive, couteau, esquive. Enfin, c'est... Mais le petit problème, c'est que là, maintenant, j'ai plus de munitions. Je vais devoir affronter une poupée géante, alors que je n'ai plus rien du tout. J'ai une clé. Ça va m'emmener vers un boss, et j'ai plus rien. Ah, j'ai un sérum. Super, ça me fait de belles jambes. Merci. Alors comment que je fais? Et en plus j'ai même pas de quoi sauvegarder quoi. Y a rien pour sauvegarder. Alors c'est magique, c'est magnifique. En gros je vais être bloqué quoi. Enfin je vais pas être bloqué parce que... Enfin si je vais être bloqué. Voilà. En fait c'est simple. Normalement si mes souvenirs sont bons, là-dedans il y a une poupée. On utilise la clé. On ouvre. Quand il se sera décidé à ouvrir cette putain de
boîte. Tu te dépêches, merci. Creepy. Sauvegarde. Je veux dire chargement. Oh là 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 là. Ouf. Méchant bug. On s'en branle. Bon, la poupée, on va devoir, je pense, l'utiliser. Bon, là, on est coincé, quoi. Faut surtout pas que je sauvegarde, parce que... Enfin, si je peux sauvegarder. Je sais même pas si je peux sauvegarder. Encore le tour. Josh, stop! Alors, voyons un peu ça. Par où je passe? J'aime pas quand il y a des chemins comme ça, je sais pas du tout lequel prendre à chaque fois. Ça m'énerve. Il y a peut-être un chemin où il y a un... Comment on appelle ça? Je sais pas, une potion ou une connerie à prendre, bah je sais pas. Ah super. Ouais, ça monte. Oh putain. Eh, ça m'emmène hyper loin, je... Oh. Oh putain, bon d'accord. Là, je peux pas sauter? Enfin, je veux dire sauter une impasse. Pas sauter dans les salles dans Silent Hill 3, on pouvait tomber d'un précipice. Je sais pas si ça se dit comme ça, on pouvait tomber dans le vide, quoi, si on insistait trop. Mais il y avait un mode de difficulté, je crois que c'est dans le mode de difficulté normal qu'on pouvait. D'ailleurs, c'est bizarre, pourquoi il n'y a pas de mode de difficulté dans celui-là? C'est complètement con, ça aussi. Ah, je dis pas que je l'aurais joué en mode facile. Ah si, peut-être que j'aurais joué en mode facile, quoi. Ça m'aurait évité de me faire chier avec ce putain de jeu. Alors j'ai peut-être pas vu, non, je pense pas qu'il y a de mode de difficulté. C'est mode difficile direct. Ouais. Ah ouais, merde. Normalement, je me suis dit, ça sert à quoi qu'il y ait des pics? De toute façon, ils sautent automatiquement. Alors, qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il y ait des pics? Bah, en fait, voilà, ça sert à ça. On va faire une petite interaction, là. Enfin, un petit QTU. Comme disent les jeunes. Ah, voilà. Ah putain, je suis resté coincé ici pendant longtemps, hein, avant de découvrir qu'il y avait un passage ici, une espèce de trou. C'est vraiment là où le jeu s'arrête pour... Enfin, où le jeu va... Ça s'est arrêté pour moi. À partir du moment où je dois affronter la poupée, c'est là que ça s'arrête. Ah putain, j'ai mal au cou. Ah, ça c'est parce que j'ai les deux écouteurs sur la tête. Et ça me fait mal au cou. Ah merde. Super, des munitions. Par contre, je voulais pas descendre tout de suite. Putain. Je voulais pas descendre tout de suite. S'il y avait peut-être des trucs à récupérer, je sais pas. De la potion.
Oh là là là, je vois un tigre. Ah, je peux descendre. D'accord, mais il y a quoi ici? Bah, forcément, il n'y a rien. Les mondes alternatifs sont pas très... sont pas super. Ouais, je vais continuer à casser le jeu jusqu'au bout. Hein. À dire que je voulais vraiment, au début, quand j'ai commencé, je me suis dit, ah, j'ai peut-être mal jugé le jeu. Enfin, c'est pas que je l'ai mal jugé, c'est que je l'avais tout simplement pas jugé, puisque j'ai pas trop réfléchi, quoi. Ah, potion, super. Petite poupée pour faire peur. Oui, les poupées font peur, non. C'est bien connu. Les poupées, en général, foutent vachement les jetons. D'ailleurs, ça me rappelle un film que j'ai vu avec des poupées qui tuent. Je sais plus comment ça s'appelle. Des poupées qui... Ah, l'autre connard, il est passé. J'ai absolument rien à foutre de lui. Il a laissé... Oh non, pas ça, putain. Je peux l'esquiver. Je peux pas. Ah, super. Laisse-moi passer, putain. Fous-moi la paix, bordel. Je veux pas l'affronter, je veux qu'on foute la paix. Oh putain, je me suis trop précipité. Bon, j'espère que c'est par là. Hein. Mais j'espère qu'il n'y avait rien d'autre. Ah oui, putain, ça m'énerve ça. Putain. Ils sont trop durs. Ces monstres sont trop durs. Hein? Ok. Je peux pas les affronter alors que je vais affronter un boss dans pas longtemps. On a un plein délire là. Quoi que les monstres en fait ils sont peut-être pas si difficiles que ça, il suffit juste de connaître leur faille. Et vu que je ne connais pas, je vais l'avoir dans le cul. Je vais voir ce qu'il y a là-bas. Non mais c'est quoi ces mondes alternatifs? Tout pourri quoi. En plus ce qui était bien dans les Silent Hill, les Incessant Hill, c'est des fois, enfin dans le 2 en tout cas, on... Est-ce que je peux remonter? Putain, je suis en train d'avancer comme un taré. Oh, ça se trouve, il y a des trucs qui traînent. C'est quoi ça? Ouais, ce qui était bien dans les anciens Silent Hill, c'est que des fois on savait pas qu'on passait de l'autre côté. Des fois on avait du mal à savoir si on était dans le monde normal ou dans le monde alterné. Et ça c'était bien ça. Des fois on passait une porte, on se disait tiens, on est dans le monde alterné ou dans le monde normal. Et puis on n'en savait rien. Parce que ça se faisait de façon subtile. Je suis juste passé une porte et puis boum, tu te retrouvais dans le monde alterné ou je sais pas quoi. Enfin, peut-être que je monte parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas assez l'envie. Peut-être que je suis en plein délire et que je dis n'importe quoi, mais je pense que c'est... En tout cas, c'est clair que c'était pas un délire genre les murs qui s'effritent, c'est comme... J'y crois pas trop. Ouais. Je vais peut-être retourner en arrière, il y a peut-être des trucs... Je sais pas par où passer, ça m'énerve. Non, c'est pas un open world, mais open world c'est pas pareil. C'est pas bon, on peut aller où on veut. C'est ça le truc. Y a pas de chemin prédéfini où on peut prendre le chemin qu'on veut, quoi. Parce que de toute façon, on pourra toujours revenir en arrière. C'est ça qui est bien dans les open world. C'est que bon, d'accord, on va de ce côté-là, mais on peut aller de l'autre côté beaucoup plus, un peu plus tard. On peut faire ce qu'on veut, quoi. Alors à ce niveau-là, on s'en fout. J'ai envie de dire, on s'en fout un peu, quoi. Alors que dans ce genre de jeu, bah non. Dans ce genre de jeu, tu peux pas retourner en arrière. Et ouais. Moi, tant qu'on me dit où faut aller, moi ça me va. Parce que c'est vrai que les open world, où t'es livré à toi-même, moi j'aime pas trop ça. J'aime suivre une histoire. Le plus important pour moi dans le jeu vidéo, c'est une histoire. C'est l'histoire, pardon. Qu'est-ce que c'est? Se faufiler.
Oh putain, ça commence à m'arrêter. Oh putain, ça fait du bien. Tiens. Oh putain, ça recommence à m'arrêter. Eh mais sérieux. C'est bon là maintenant. Ah. Super. Ah, super, super. La porte est fermée, tant mieux. Comme ça, je vais pas m'engouffrer dans je ne sais quel chemin pour après revenir en arrière. Ça va me saouler, quoi. Bon, bah, je crois que cette fois-ci, on peut revenir. Là, bon, là, ça fait plaisir, je suis tombé que sur un. Tiens. C'était à l'intérieur de ça, je crois. Bah non, y'a rien. Bah, je sais pas pourquoi c'est à gueuler. Bah, je peux pas remonter. Je peux pas remonter. Si, je peux remonter. Y'a une échelle juste là, quel con. J'avais dit que je m'arrêterais bien avant, mais y'a pas de... Y'a toujours... Oh putain. J'ai une bestiole dans l'oreille ou quoi? Ça c'est parce que ça veut dire que ça fait une semaine que je me suis pas lavé, alors voilà pourquoi ça me gratte autant. Ouais, je pense que c'est ça. Ah bah oui, hein. Passer toute sa journée à jouer aux jeux vidéo, bah, on n'a pas trop le temps de faire les choses qu'il faut faire. Ah oui. C'est comme ça, c'est la vie, hein. Faut choisir, hein. Soit tu joues aux jeux vidéo, soit tu te laves. Tu peux pas faire les deux. Happy New Year! Allez, c'est pas grave. On descend par là. Oh là là. Pourquoi j'aime les salantailles? Je me demande. Dans tous ces bruits qui me cassent les couilles. Ah, l'autre PD. En sérieux, ce mec-là, il me saoule. Voilà. J'espère qu'il va pas faire apparaître d'autres méchants. Bah, j'ai l'impression que c'est... Bon, par où je passe, putain. Oh là là. Ah, bon, d'accord. Ça, c'est fait. Merci. Tac tac tac. Tac 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 tac. Il va falloir bloquer ceci. Attends. Le couteau. Ça c'est fait. Je pense qu'on peut pas ouvrir. Tant mieux. Il n'y avait pas un autre passage par là? Juste comme ça, juste comme ça. Non, bah j'ai cru, bah j'ai... C'est bon, j'ai le droit de vérifier. Bon, bah on va se faufiler. C'est temps là. Putain! Oh! Mais qu'est-ce que... Voilà, ah, ça m'a foutu les jetons. Pourtant, c'est l'ennemi le moins chiant. Ah ouais, ok. Bon bah descends, vas-y, allez. Par contre, il y a un jeu, il y a un Survival Horror que j'ai adoré. Je sais pas si j'en ai parlé. Bon, tant pis, on s'en fout. C'est... Obscur. Ouf. Je vais retrouver le nom. Après un moment d'absence, j'ai retrouvé le nom. Obscur. Super sympa, Obscur. Le 1 surtout. Bah, surtout le 1, parce que c'est...
parce que tout simplement que le jeu est en français et très bien doublé. Vraiment super bien doublé, on se serait carrément cru dans un teen movie horreur. C'était vraiment excellent, c'était vraiment génial. Ah ouais, il y a une petite énigme ici. Une espèce d'énigme, une espèce de je sais pas quoi. Bon, je suis sûr que beaucoup de... Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ont compris l'énigme très très rapidement, mais moi je vais prendre un peu de temps. Hein. Voilà. Voilà, je vais prendre un peu de temps et je vous emmerde. On y va. Alors j'ai tiré le levier du 5. Ce qui a fait fonctionner le 4. Non, j'ai tiré le levier du 4. Ce qui fait fonctionner le 5. Je tire le levier du 6. Ce qui fait fonctionner le 5. Attends. Non, attends, je dis n'importe quoi là. Ah d'accord. Alors, en tirant le levier, j'alterne entre le 6 et le 5. Ok. Là, le 5 et le 4 fonctionnent. Du coup, si je tire le levier, ça ne marche pas parce que les deux fonctionnent. D'accord. Là, le 3... Attends, je dois passer par où? Ah d'accord. Ah non mais je dois passer par où? C'est quel passage que je dois prendre? Celui-là ou l'autre? Ah les deux. Bon bref, je vais actionner celui-là. Ça va faire fonctionner le 3. Et ça va bloquer le 4. Ça va arrêter le 5. Ça va faire tourner le 4. Ok. Là les deux sont actionnés. Arrêtez le 3. Bref. C'est dommage. Je sais même pas si c'est par là, ça se trouve je me cours complètement. C'est pas du tout ce passage que je dois prendre. On va bien voir. Ok, bon. Y'avait rien de ce côté-là? Bon. Bah ouais. Ouais. Non mais ouais. Faut même pas chercher à comprendre. Je vais le chercher. Je manque de potions, il est hors de question que je laisse ça passer. Non, et puis quoi encore? Alors, on va continuer. Là, 3 est actionné. Attends, c'est quoi ce délire? Le 3-2 est actionné. Oh putain! Ah ouais, d'accord. Ah, l'autre au fond, il est cassé! Non, le 3, le 2 il est... Non mais... Ah d'accord, je comprends. Bah non, il est pas cassé. Ah c'est le levier qui... Oh putain, merde. Oh non, il est deux marches là. Oh, fais chier. Bon, faut que je baisse celui-là, là.
Allez, on se dépêche, là, putain. On va taper ces séquences à la con tout le temps. Et elle est où, là, le point de sauvegarde, merde. Et voilà. Ah, j'en ai grave besoin. Bah oui, prendre. Oui, prendre du con. Bien sûr, je prends. Je vais trop dur pour ne pas prendre. Bon, là, je peux... Oh, oh petit... Oh, oh le bug. Oh, le gentil bug. Bon. Je dois tout recommencer. Super. Jeu-là, là, faut en finir maintenant. Je suis resté trop longtemps sur ce jeu. Je vais peut-être jouer demain. Je vais essayer de mettre les vidéos dès que j'ai terminé cette vidéo. Là, je sais plus, la vidéo sur débarrasser de cette merde. Si l'autre il veut bien, je suis le cul. Non mais franchement quoi. Ah ça me saoule. Même... Ah un point de sauvegarde. Oh putain ça. J'ai jamais entendu un point de sauvegarde aussi autant haut. Enfin voilà. J'entendais le point de sauvegarde et ça fait plaisir. Il est enfin là. Bon bon on va s'arrêter. Je vais m'arrêter là. Attends, faut vraiment que j'arrête de dire. Putain, il m'a foutu les jetons, l'enfoiré. Voilà. Alors, où est-ce que je pourrais sauvegarder? Non, attends, il y a un souci, là. 12-22. Ah oui! Oui, le 22. Le 22 décembre. D'accord. Ouais. Ouais, le mois... Non. Ouais, c'est ça. Le mois est avant le jour. D'accord. Alors là, c'est le 13. Le 13... D'accord. Alors, on va sauvegarder le plus loin possible, c'est-à-dire ici à l'hôtel. Voilà, descente aux enfers. Bon ben voilà, c'est fini pour cette vidéo de merde et ce jeu de merde. J'espère pouvoir tuer la poupée maléfique demain. J'espère avoir la foi. Là je vais aller me laver. Parce que je me gratte de partout. Et à plus pour une prochaine vidéo. Voilà.